Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ici Grido Collection. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Unboxing Review. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher votre petit like et à vous abonner à la chaîne, ça ferait vraiment plaisir. Sur ce, on commence tout de suite. Comme je vous l'ai dit précédemment, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Unboxing Review avec la figurine de Reva dans la gamme The Vintage Collection tirée de la série Obi-Wan Kenobi. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo Unboxing du colis de chez Darkside Toys, j'ai payé cette figurine seulement 11,90$, donc on va tout de suite commencer la review avec le blister. Hop là. Donc on a une jolie illustration tirée de la série avec Reva de profil. On a notre figurine, le logo Kenner. À l'arrière, on retrouve la vague des figurines. Donc j'ai Anakin, le Death Watch, Vador et Reva. Pour l'instant, j'ai celle-ci. Et on peut voir que c'est la VC242 dans la gamme The Vintage Collection. Vraiment, le blister est très joli. Maintenant, on va pouvoir passer à l'ouverture de cette boîte. On retire la bulle comme ceci. Hop là, on enlève ça. Regardez, donc la figurine est vraiment très jolie, elle est fournie avec de nombreux sabres laser, comme vous pouvez le voir. Hop là, on regarde derrière. Ouais, elle est vraiment très sympa, il y a vraiment beaucoup d'accessoires qui sont vendus avec. Du coup, on va commencer par regarder le sabre avec la double lame qui est sortie, vu qu'il est sur le dessus de la boîte. Voilà, donc assez basique, hein, ça ressemble au sabre des autres inquisiteurs. Si vous en avez, par exemple, si vous avez le grand inquisiteur en Star Wars Rebels, c'est un peu le même topo, sauf que là, bah, il est beaucoup plus détaillé. Maintenant, du coup, on va passer à la suite. Donc, on va retirer notre figurine de son blister pour la regarder de plus près. Hop là, on retire notre Reva. Elle est vraiment très très jolie. Hein. Regardez le visage, il est vraiment très ressemblant. Voilà, je vous fais un petit tour pour vous montrer ça rapidement. Regardez le niveau de détail du visage. C'est vraiment impressionnant ce qu'Hasbro est capable de faire depuis un certain temps. Donc, au niveau de la tête, elle a l'articulation en double rotule, comme toutes les nouvelles Vintage Collection. Au niveau des épaules, pareil, c'est du classique. Il me semble qu'elle est pas... on peut pas bien l'articuler, mais ça reste quand même suffisant. Des articulations au niveau du coude, basique. Pareil au niveau des mains, ça tourne comme ça et vous pouvez démonter les mains. Boule au niveau du torse, classique ça aussi, hein, vous commencez à connaître. Maintenant, on va passer aux autres articulations du corps. Donc on a le genou, qui s'articule comme ceci, voilà. Hop là. Le pied, donc avec le nouveau mode d'articulation, bon là le pied il est défaillant celui-ci, il a un petit souci, je vais régler ça plus tard, mais voilà, c'est quand même très sympa. Vous avez les épaulettes qui sont en caoutchouc comme sur la plupart des nouvelles Vintage Collection, le logo impérial sur l'épaule qui est un détail très sympa. Elle a bien sûr la cape qui est en tissu. Donc ça c'est vraiment cool, hein. J'aime beaucoup les capes tissus, surtout que là ça va bien. Il me semble qu'elle est bien proportionnée, le tissu choisi est plutôt sympathique. Voilà, non, elle est vraiment très belle cette figurine, hein. Franchement je regrette vraiment pas de l'avoir achetée. Hein. Elle est vraiment magnifique pour accompagner notre Vador. Obi-Wan, si je l'achète par la suite, ça va être vraiment très très cool. Hein. Non, franchement c'est incroyable. Maintenant du coup on va passer à la suite des accessoires, on va retirer le sabre rentré. Donc on a juste le manche. En forme de demi-sphère ici, qu'on peut aussi apercevoir dans Star Wars Rebels. Voilà, donc après c'est assez basique, hein, c'est juste le sabre qui est replié. On a le picot qui sert à le fixer sur la ceinture, donc ça c'est sympa, j'aime beaucoup quand on peut fixer les sabres. Et du coup, les derniers accessoires qu'on va retirer du blister, c'est les moitiés de sabre avec les lames sorties. Voilà, donc c'est vraiment sympa, on peut voir que c'est vraiment très détaillé, on a deux coloris sur le manche, donc ça c'est cool. C'est vraiment sympa avec cette figurine d'avoir autant de sabres laser différents. C'est assez rare qu'on en ait d'ailleurs 3, enfin même 4 si on compte les deux demi-sabres. Mais du coup c'est vraiment cool, vous pouvez vraiment faire plein de poses et de scènes différentes avec cette figurine. On va récupérer notre figurine, voilà. Et on va du coup lui mettre le sabre laser rentré accroché à la ceinture pour voir ce que ça donne un peu. Bon, c'est un peu galère à rentrer, ça force quand même pas mal. Donc faites attention de ne pas casser le picot. Mais une fois que c'est mis, je pense que ça tient bien. Voilà, ça y est, oui. Effectivement, une fois que vous l'avez rentré, ça tient vraiment bien. C'est vraiment très bien maintenu, cette histoire. Pour conclure, je trouve cette figurine vraiment géniale. Elle bénéficie de tous les nouveaux types d'articulations. Elle a un visage très ressemblant. Plein d'accessoires, ça c'est incroyable d'avoir autant d'accessoires pour faire différentes poses. Vous avez une cape tissu, des épaulettes en caoutchouc, donc ça permet vraiment de bien bouger la figurine, de faire des mouvements et des poses réalistes. Ouais, elle est vraiment très jolie. Je vous conseille vraiment de l'acheter si vous êtes fan
fans de la série Obi-Wan Kenobi pour accompagner votre Vador ou votre Obi-Wan si vous l'avez. Moi je l'ai pas encore mais je compte l'acheter. Puis même juste comme ça, ça peut être vraiment sympa d'avoir cette figurine. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, ça ferait vraiment plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine et que la force soit avec vous.